Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment assembler de deux détails, donc des vannes et les deux par exemple, à l'aide de trois aiguilles en formant la couture décorative. Les présenter comme ça. Côté là. Donc ça c'est ma couture d'épaule. Donc ici vous voyez le 2. Ici c'est le devant. Donc on les prendre comme ça et on les met ensemble. Que deux côtés. Côté là et côté là. Donc la première maille, nous prenons la première maille d'une aiguille, deuxième, et on les tricote les deux ensemble. On les enlève. Donc les premières mailles, nous avons tricoté. Maintenant, à quoi il faut penser toujours? Donc, on va enlever la maille qui est sur les aiguilles derrière. Donc, votre fil, quand on enlève cette maille, doit être toujours devant. On l'a enlevé et on tricote les mailles qui sur les aiguilles devant. On l'a tricoté. On l'enlève. Et maintenant, on va mettre à l'aide d'une des aiguilles, laquelle vous préférez, quelle est plus commode pour vous. Vous passez cette maille-là à traversant deux mailles qui étaient sur les aiguilles. Il reste une maille. Donc, on répète, on enlève une maille sur les aiguilles derrière, les fils et les devant la maille. On tricote cette maille-là. Et on enlève et on passe les deux mailles. Traverse maille sur deux mailles. Donc voilà. Et encore une fois, donc on l'enlève sans tricoter. Le fil il est devant la maille. On tricote la maille qui est sur les aiguilles devant. Et on passe deux mailles. Dans une, on habille cette maille, on le met deux mailles sur une maille. Donc voilà. Voilà. Tac. Et deux mailles sur une maille. Voilà.